Calibre Barfix. Alors que maintenant, nous abordons le dernier gymnaste à la Barfix. Le plus grand de tous les gymnastes, vous ne l'avez pas vu, mais pendant que Rochoukine a passé au sol, on a remonté la barre de 5 cm spécialement pour lui. Ah oui, 5 bons centimètres, il a fallu démonter en partie la grille. Il fait 1m80 pour 82 kg. Autant vous dire que j'espère que la barre sera suffisamment solide. Je ne sais pas si à la télé ça se voit, mais en tout cas, c'est impressionnant. En réalité, le gabarit. Tanskanen. Hier aux qualifications, il avait réalisé un très bel exercice. Et là, malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est manqué pour le Kovacs qui est très très loin de la barre. Ah, il le sait, il le voit, ça va très vite et pourtant lui sent tout de suite qu'il va louper cette barre. Yanni. Là, il a 30 secondes pour se reconcentrer, pour remettre du blanc, replacer les maniques et se représenter au jeu. Voilà, c'est reparti. Voilà, franchissement de barre avec demi-tour. Maintenant, il peut aller tranquillement jusqu'à la fin car il sait que voilà, il a même raccourci son mouvement. Il n'a pas pris trop de risques puisque son lâcher était manqué. Voilà, déçu, il le montre, il le sait. Donc, le podium, eh bien, ce ne sera pas pour Yannick Tanon. Le sommet de barfix et de sol féminin, entrée des gymnastes finalistes au saut masculin et au saut de cheval féminin. Et bien, voilà, du finlandais. Tour complet. Retour du bras. Et la sortie, c'est Nicolas Hoult, corps groupé. Voilà, une bonne sortie. Mais malheureusement, l'une des difficultés principales de son exercice est loupée. Regardez. Et il la voit, mais non.